Plus aucune perte d'argent pour la sécurité sociale en 2019. Ces comptes sont désormais dans le vert, plus 700 millions d'euros l'année prochaine. La fin du fameux trou de la sécu qui perdure depuis 18 ans, un casse-tête pour tous les gouvernements. C'est une très bonne nouvelle pour nos concitoyens et notamment pour les plus jeunes. Cela veut dire qu'on cesse de creuser la dette, que l'on consolide et qu'on permet de maintenir de façon pérenne notre système de sécurité sociale. Comment expliquer la fin de ce déficit? D'abord, un vaste plan d'économie demandé à l'assurance maladie, moins 3,8 milliards d'euros en 2019, qui touche l'hôpital, la médecine de ville et l'industrie pharmaceutique. Un effort similaire à l'année dernière, mais c'est surtout le coup de rabot sur certaines prestations sociales qui explique la fin du déficit. Faible revalorisation des allocations familiales et des pensions de retraite, 1,8 milliard d'euros d'économies supplémentaires. Si la sécurité sociale ne perd plus d'argent, sa dette, elle, n'a pas disparu, 120 milliards d'euros que le gouvernement s'est engagé à rembourser d'ici 2024.